Alors ici commence le parc des tritons, le parc de l'étang. Alors il va de ce portail jusqu'à l'autre portail qui est au bout, qui fait à peu près 350 mètres aussi de longueur. C'est un rectangle de verdure avec un étang au milieu de 600 mètres cubes d'eau. Et on va rentrer, là il y a la place des jeux avec l'arbre. Donc vous avez une question, je vais répondre, je ne sais pas si vous savez déjà. Non, c'est un tulipier de Virginie. Ouais. Voilà. Ah, un petit papa qui a... Ah, un petit... Alors ici, c'est la maison des gardiens d'animaux. Tout est stocké, la nourriture, il y a un bureau et l'infirmerie, le local du fourrage, les toilettes publiques. Et ici va être fait le nouveau centre hôtelier 3 étoiles pour les canards et les poules. Et c'est encore en travaux. Et on va vous montrer la maison. Vous voulez bien me suivre? Souvent? Tous les jours. Tous les jours, il y a une personne qui vient une heure soigner les animaux. Les week-ends, pareil. Et puis le vendredi après-midi, moi je suis là avec un employé pour répondre expressément aux questions des gens. Mais vous avez des horaires fixes comme ça parce que... Les matins, c'est de 7h à 8h. Ah, d'accord. Pour les soins. Et le vendredi, c'est l'après-midi de 1h15 à 4h. Donc, les vendredis après-midi, les gens peuvent venir, peuvent visiter. C'est une sorte de porte ouverte. Parce qu'en plus, il y a les jeux. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Donc, ici, bon, ça, c'est les toilettes publiques. Ça, c'est le stockage de la paille et puis le foin pour les lapins. Là, il y a une corbeille pour que les gens puissent mettre les pains secs. Oui, un petit peu moins. On va donner les assauts à moitié parce que cet après-midi, il y a notre crevette séchée. C'est pour les porcs et puis les poules. Ça, c'est pour le cygne. Ça va dans l'eau. Et ça aussi, c'est pour les cygnes, c'est un complément vitaminé. Regarde, ça, c'est la nourriture qu'il a pris pour le cygne. Tu vois? Avec la salade. Oui. Voilà. Et on va donner des pains. Comme ça. La patronne est sur le bord. Laisse-les au croquet. Alors on va faire un signe. Voilà, on va prendre toute la clé. Il y a beaucoup de monde. Et celle qui dorme, là, c'est des autres poules. Alors ici, nous avons un couple de cygnes noirs d'Australie avec les petits de l'année passée. Et puis une barnache du Canada. Alors c'est ici qu'on leur donne à manger. Des aliments vitaminés. Et ça, c'est de l'aliment spécial pour mettre dans l'eau. Pour les cygnes. Ça fait... Oh, c'est caca en salade. Et là, dans l'eau, on ne les voit pas, mais il y a 700 poissons. Au dernier comptage, 700 entre des tanches et des carpes. Ah ouais. Et puis il y a deux tortues, oui, des carpes. Oui.
Nous avons des lapins, cochons d'Inde et furets, en principe des animaux abandonnés qu'on a recueillis. Là, on les nourrit aussi avec la salade céréale foin, avec un petit peu de pain sec. Et les furets, ils sont nourris comme les chats, c'est-à-dire des croquettes. Et de là, on nous les volait. Alors, depuis qu'on a mis cette étiquette, eh ben, c'est très dissuasif parce qu'on n'a plus de vol. Non, mets pas la carotte. Et les cygnes aussi sont poussés. Hein. Parce qu'un avait été piqué. Et il a été retrouvé grâce à la puce. Et parce qu'en fait, ils ont fait une perquisition chez quelqu'un, puis il dit « Ah, mais c'est à vous, furet !» Après, hop, ils ont fait avec un appareil pour voir, et ils sont aperçus qu'en fait, il appartenait pas à eux, en fait, ceux qui l'avaient piqué. Et c'est des animaux très propres qui font leurs besoins dans les coins où il y a du sable. C'est principe, hein. J'aimerais bien entrer. Là, il y a la mascotte de l'étang. Il s'appelle Paddy. Donc, il y a la question. Alors, je peux vous la passer, si vous la passez en main. Non, laissez, c'est moi ta poupée. Moi, je connais. Tu peux y aller, vas-y. Fais doucement, hein. Non. Oula, qui c'est qui veut le prendre? Elle est par terre pour voir comment il court. Non, parce qu'on ne peut pas le lâcher là, autrement il s'en va. Puis tu sais quoi? Les furets, ils aiment bien les œufs. Alors les canards, ils n'ont pas envie que leurs œufs ils se fassent mouiller, tu vois. Car les furets, c'est des gourmands. Les omelettes, c'est leur truc. C'est qui le celui-là? C'est un petit cochon d'Inde? Il ment? Non. Ah non, mais lui? Ah non. Elle ne mord pas du tout, elle? Non, le cochon de nos enfants, non. Tu veux le prendre, le petit? Bravo, yeah. Alors ça, c'est le troisième animal de compagnie. C'est vrai? Ça se... Vous pouvez l'avoir à la maison, il dort une caisse, il mange les coquettes, tout ça. Tu vas le remettre, je crois. Et si vous l'avez à la maison, il vous dort tous les jours. Mais il s'en va pas, c'est pas... Un... Elle est salée, hein. La belle fille, hein. Qui s'appelle les ponts, qui a été construit par la protection civile, et qui permet d'enjamber. Et cette partie-là, on l'a interdit au public parce que c'est pour les nidifications. Alors, les animaux n'avaient pas assez d'endroits calmes pour faire des nids, pour se reproduire. Donc maintenant, on ferme au public.
comme c'est marqué sur le panneau. Là, elle a été faite au départ, bon, ben, déjà pour le paysage, mais maintenant elle est très utile pour les cygnes parce qu'ils font leur nid dans la petite maison. Bon, cette année, on n'a pas de chance parce qu'ils ont vandalisé les œufs. Alors, il y avait 5 œufs. Et voilà. Et là-bas, c'est une cascade qui est artificielle, qui est entièrement automatique, qui s'allume de 10h du matin jusqu'à 11h du soir. Qui régénère l'eau. Mais nous, on a, par rapport à la batterie, on a beaucoup de chance parce que la batterie, c'est tous les week-ends des lapins qui sont passés par toutes les barrières, les tortues. C'est prévu une nouvelle cascade, à peu près la même que là-bas, afin de créer deux courants. Pour éviter que toutes les feuilles viennent se stagner ici. Et la nouvelle voilière qui sera fermée, là-bas, où il y a le monsieur qui travaille. Et elle aura un toit, donc elle sera étanche au niveau de la grille barrière vis-à-vis des animaux migrateurs. Alors bon, il y a le pont, je sais que le pont, ben, il y en a qui...
Alors ici, nous sommes au bout du parc. Par là, ça mène à Vernier par la route. Et puis là, il y a un parc à chiens clôturé. Et puis la partie sauvage interdite au public est de ses côtés. Et on intervient très peu dans le bois pour laisser les plus sauvages possibles. Pour que ça soit bien fourni, que les animaux puissent se cacher. C'est bon ça. Parce que c'est vrai qu'avec les gens, ils sont pas... Bah, on est dans parce le parc de samedi et dimanche. Voilà. C'est assez vite, hein. C'est les lieux de pique-nique ou des grillades pour le centre des voiries, une fois par année, pour les espaces verts, ainsi que les membres de la mairie. Comme le cadre est très agréable, une fois par année, ils organisent une grillade. C'est très joli. Thank you.